Qu'est-ce que ça fait plaisir, c'était en 1971 et je vous rappelle que ce jour-là elle gagne l'Eurovision et qu'un certain Serge Lama avait participé à l'Eurovision et avait fini 10e. Eh oui. Voilà. Applaudissez encore. C'était un véritable conte de fées ce jour-là, ce 3 avril 71, avec 129 points à Dublin. Et surtout, elle ne voulait pas de cette chanson. Elle n'aimait pas la chanson. Vous n'aimez pas la chanson. Vous vouliez Manège. Voilà. Moi, de toute façon, j'ai même refusé Mamie Blue, à vrai dire. Hein. Voilà. Alors, et tu es devenue... Et là, tu es prof de chant, maintenant. Oui, je suis devenue... Enfin, il y a une bonne dizaine d'années, maintenant, je donne des cours de chant dans un conservatoire, plutôt. Et on se disait, moi, je te voyais arriver avec Karen, on pensait à s'ignorer. C'est un vrai compliment. Ah oui, c'est un compliment. C'est un vrai compliment, c'est-à-dire que de la jeune fille qui a gagné l'Eurovision, comme s'ignorer était dans le casque d'or, et cette femme avec une personnalité extraordinaire, quand elle a joué les Granges Brûlées, par exemple, on te trouvait une physique de comédienne aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Là, je ne passe plus la porte, là. En tout cas, je suis heureux que tu sois venu ici avec nous, te mélanger avec tout le monde, avec les jeunes qui montent, avec ces vieux comiques d'il y a 100 ans. Merci beaucoup, merci. Et surtout, voilà, coffret. C'est un coffret, le coffret qui vient de sortir, Séverine, 60 titres. Parce que tu as fait une carrière énorme en Allemagne. Oui, carrière formidable. Et puis, tu sais quoi? Je suis content pour d'autres choses parce qu'on s'est parlé.
Vous savez, la télévision, c'est la télévision. Et puis, moi, vous me connaissez maintenant. Moi, c'est les êtres humains qui m'intéressent. Puis on s'est parlé dans le couloir. On est jumeaux de chagrin, tous les deux, parce qu'elle a perdu son garçon il n'y a pas très très longtemps, il y a 2-3 ans. Non, en 2008. En 2008, oui. Moi, j'ai perdu de moi. Et on se disait que finalement, et on voulait le dire aux gens qui ont des soucis comme ça, monter sur scène, continuer à chanter, continuer à donner du bonheur. Enfin, ce n'est pas facile pour tout le monde non plus. Hein. Oui, non, mais je veux dire, chanter, mais... continuer à donner quelque chose aux autres. Donner, vous recevoir. On est tout à fait d'accord. C'est comme ça qu'on tient debout. C'est comme ça qu'on vit et qu'on existe. Ça va nous aider à rester en vie ce soir. Tout à fait. Je vous dis tout, hein. Je vous dis tout. Je vais même vous dire ce qui s'est passé pour la chanson qui va suivre.